On est au salon Impact PME. Impact PME, c'est les PME et les TPE. C'est 99% des entreprises en France et c'est 99% des clients des chambres de commerce. Donc on est vraiment ici, chez nous et bien sûr avec notre partenaire CPME. Premier objectif, c'est fêter les PME. Elles sont importantes dans le paysage économique du pays. 98,5% des entreprises sont des PME, des TPE. Elles maillent tous les territoires et on se doit de les fêter. Les défis sont énormes puisqu'on a une conjoncture particulière. On a 6 grandes priorités. L'accompagnement dans les transitions. Deuxièmement, il y a des transmissions d'entreprises, qui est un véritable problème de PME, TPE. Ensuite, les compétences. Nous avons bien sûr la réindustrialisation, réarmer nos PME et notamment nos PMI. Nous avons bien sûr le commerce extérieur. Et enfin, c'est toute cette économie des territoires. Je pense notamment au commerce. Notre commerce est en souffrance. Et donc, il faut absolument le soutenir. Les enjeux sont déjà immédiats, hein. C'est-à-dire comment réussir 2024. Hein. On voit que l'activité est ralentie. Les entrepreneurs sont inquiets, voilà, on peut le comprendre. Donc c'est comment franchir 2024. On va leur donner lors de ces journées pas mal de clés pour essayer de comprendre l'avenir proche et un peu plus lointain. Les initiatives territoriales sont souvent très nombreuses, très importantes entre les chambres consulaires et la CPME et puis d'autres, bien évidemment, syndicats interprofessionnels. Moi, je suis plutôt allant et plutôt moteur pour les développer encore plus.